Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. Amis téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Célé Actu. Célé Actu qui s'entretient sur les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et pour l'actualité du moment, c'est les pères qui sont à l'honneur. Les pères. Être père, est-ce une responsabilité ou une autorité? Voilà le thème autour duquel va s'entretenir. Et voilà, nous avons pour cet entretien deux invités que vous connaissez déjà. La même équipe qui s'est entretenue autour de la fête des mères. Et donc, pour les présenter, normalement, ils sont plus à être présentés, mais nous vous les présentons quand même par plaisir. À ma gauche, nous avons maman la vénérable supérieure, maman Laetitia Kodo née Djossou. Elle vient de la paroisse à Kosomo de Vedoko Zezoumé. Dans la vie active, elle est géographe sociologue et au sein de l'Église christianisme céleste, elle est trésorière générale de la coordination de la région du littoral des structures d'encadrement des enfants de l'Église du christianisme céleste. Bienvenue à nous, maman. Merci. Vous avez un mot pour nos téléspectateurs. Oui, merci. Seigneur, je rends grâce à l'Éternel Dieu de Chofa de nous réunir. Et puis, je remercie les téléspectateurs qui ont bien voulu nous faire le retour de l'émission de la fois dernière sur la fête des mères. Oui, ça nous a vraiment, fait plaisir d'avoir le retour, et leurs observations. Et je leur dis merci. Maman vous dit merci à vous téléspectateurs, surtout à cause du retour que vous avez fait la fois dernière pour l'émission autour de la fête des mères qu'on a eu à animer par ici. Et nous vous disons merci aussi par le biais de maman. Soyez plus en confort pour cette émission. À ma droite, nous avons Papa Afuda Ange. C'est le chargé de la paroisse Saint-Moïse de Zopa. C'est à Bomé-Calavi, dans l'Atlantique, au Bénin. Il est dans la vie active, ingénieur hydrogéologue. Il était avec nous pour la fête des mères, vous l'avez reconnu. Il est aussi avec nous pour la fête des pères, enfin, pour la fête qui est en son honneur, bien sûr. Papa, bienvenue, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez un mot pour nos téléspectateurs? Bon, c'est plutôt... Vous êtes à l'honneur, vous avez un mot. Oui, plutôt dire que c'est un plaisir de toujours participer à des débats du genre. Surtout quand il s'agit des pères et qu'on en est un, c'est avec plaisir que nous allons débattre autour de ces termes-là. Et on voudrait déjà inviter les spectateurs, comme par le passé, à nous suivre aussi, à aller dans le débat avec nous. Merci. Amis téléspectateurs, toute l'équipe vous dit merci, surtout pour le prix que vous accordez à nos différents numéros de cette émission. C'est les actus. Nous n'avons plus trop tardé. Nous rentrons directement dans le vif du sujet. Être père. Qu'est-ce qu'il faut en savoir? On ne peut pas parler de père sans la mère. Nous avons une mère avec nous. Maman Laetitia. Mm-hmm. Père. Qui est-ce qu'on peut appeler père? Le père, si nous en tenons simplement aux définitions. Et nous avons lu par-ci par-là, c'est simplement l'homme, un homme qui a engendré ou adopté ou des enfants. Engendré ou adopté. Ou adopté des enfants. Donc engendré, ça veut dire qu'il est père biologique. Adopté, il est un père social. Social, un tuteur. Un père adoptif. Okay. Alors, papa, voilà, quelqu'un qui a engendré le père biologique, ça veut dire quelqu'un qui a adopté le père tuteur. Donc, maman nous donne, qui est-ce qu'on peut appeler père à partir de ces mots? Alors, l'origine du mot père, vous nous en dites quoi? Voilà, le père en origine, c'est une origine en latine. Je crois que
Originellement, c'était pater. Pater. Du mot latin qui signifie tout simplement, comme maman l'a expliqué, celui qui a engendré, celui qui adopte un ou plusieurs enfants. Et c'est avec le temps, ce mot-là a subi de l'évolution. Et de père, on en est arrivé à papa, qui veut toujours dire les géniteurs, soit biologique ou adoptif d'un ou de plusieurs enfants. Mais toujours est-il que tous ces deux mots sont sortis du latin. Alors, le latin, d'accord. Qui, pour la première fois, a été appelé père? L'origine du père. Ça remonte dans les temps. Enfin, l'origine de la création, à la création du monde. Le père, celui que nous connaissons tous, ce qui a engendré l'humanité tout entière, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. C'est lui, le père de l'humanité. Et c'est... Il a lui confié cette responsabilité. Voilà, à travers Adam, qui est le premier être créé. Et puis après, Adam, tous les hommes qui sont nés après. Et qui, dans le cheminement, parce que originellement, ce n'était pas donné de faire l'enfance. Du coup, Adam était seul dans son jardin. Mais avec le temps, Dieu a vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Vous le connaissez, cette histoire-là. Et puis après, il y a une femme autour. Et nous savons ce qui en est suivi. Et sorti du jardin d'Éden, Dieu a maudit, mais il a dit, vous allez procréer, allez multiplier, remplir la terre. Mais c'est à la douleur, c'est avec douleur et peine que vous allez procréer. Et voilà, c'est dans ce cheminement que nous sommes. Et c'est de là que les différents familles, foyers se sont constitués. Et aujourd'hui, on en est à des familles telles que vous les connaissez. Et une famille, c'est d'abord un père, c'est aussi une maman. Et puis après, maintenant, c'est des enfants. Alors, donc, l'origine du mot père, ça remonte du maître de la création de la création de qui a confié à Adam. Par la suite qui s'est répandue et qui nous retrouve aujourd'hui nous, en tant que père. Alors, le terme nous instruit sur si on est père, est-ce une autorité ou une responsabilité? D'abord, je voudrais savoir, quand on parle d'autorité ou responsabilité, maman, qu'est-ce qu'on peut faire comme nuance entre ces deux mots? L'autorité, en fait, c'est le pouvoir. Le pouvoir de faire. Le pouvoir de faire faire. De faire faire. On peut juste retenir ça d'abord. La responsabilité, c'est l'engagement que l'on peut prendre soi-même par rapport à quelque chose ou bien l'engagement que l'on prend par rapport à d'autres personnes. Pour garantir quelque chose. Garantir quelque chose. L'autorité, c'est le pouvoir de faire faire et la responsabilité, c'est cet engagement qu'on prend afin de garantir quelque chose. Papa, dites-nous, la différence entre autorité et responsabilité. Soit vous avez peut-être parallèlement ce que maman nous enseigne, ou vous avez un complément. Juste un complément. L'autorité, elle a déjà dit, c'est le pouvoir qu'on confère à un être. Et ce pouvoir, du coup, lui donne une certaine suprématie. Une certaine suprématie par rapport à ceux sur qui il exerce son autorité. Donc, par contre, la responsabilité, c'est un acte d'engagement à respecter, pour faire respecter un acte d'engagement qui incombe à une personne qui a une autorité, mais qui l'exerce avec une certaine souplesse. C'est-à-dire quoi? Les deux termes valent. Okay. Le
L'autorité se retrouve dans la responsabilité. Ça se retrouve aussi dans la responsabilité. Parce que celui qui est responsable de l'autre, il a des devoirs vis-à-vis de l'intéressé. Et c'est quand il l'assume de façon correcte qu'on dit qu'il est responsable. Parce qu'il y a beaucoup, tous, autant que nous sommes, nous avons soit des gens sous nous, n'étant même pas père, c'est soit dans le service. Nous avons des autorités, nous avons une autorité que nous exerçons vis-à-vis de ceux-là qui travaillent sur nous. Mais encore, nous avons une responsabilité vis-à-vis des mêmes personnes. Mais quand nous remplissons notre responsabilité, c'est en ce moment-là que nous sommes... Qu'on fait preuve de responsabilité. Responsabilité. Alors, maman, dites-nous, puisque vous êtes avec nous, être père, le rôle dans le ménage, être père. Parce que si on doit parler de père aujourd'hui, on ne peut pas être père sans vous. Alors, face aux enfants, parce que déjà, quand il y a vous, il y a les enfants, on peut parler déjà de façon intégrale de père. Sans les enfants, il n'y a pas père. Alors, face à ces enfants et face à vous qui êtes nos mères, quel est le rôle de nous pères dans le ménage? Bien. Et déjà, je vais me permettre de faire un clin d'œil par rapport à l'émission passée. Parce que pour rappeler quelque chose d'abord, puisque s'il y a père, c'est qu'il y a mère. Il y a mère. C'est une continuité. Il y a mère. Et comme le disait mon regretté papa, il dit oui, la maternité, c'est un acte de foi. La paternité, c'est un acte de... la maternité, c'est un acte de certitude, mais la paternité, c'est un acte de foi. Certitude, foi. Okay. Oui, la maternité, c'est un acte de certitude. Nul ne peut douter de l'enfant, de son enfant. D'une mère, oui. Venant d'une femme, mais par rapport à l'homme, c'est un acte de certitude, c'est un acte de foi, pardon. Je m'en ça dit, là, si ça, on doit rentrer beaucoup plus, c'est que l'homme qui est père l'accepte parfois, et la mère qui est mère sait qu'elle est mère. Qu'elle est mère. Okay. Tout le monde sait qu'elle est mère. Et de qui appartient cet enfant? Oui. Et nous avions dit tantôt dans notre émission, au cours de l'autre émission, que la mère, c'est celle-là qui élève l'enfant et elle a des qualités, elle a des valeurs. Nous ne sommes pas suffisamment apesantis là-dessus la fois dernière. Elle enseigne, elle conseille, elle est confidente de l'enfant. Maintenant, le père, lui, il vient pour compléter le rôle, le travail que la mère fait par rapport à l'enfant dans le cadre de l'éducation. Déjà, en un premier lieu, il est là pour pouvoir certifier, confirmer l'origine quand même de la filiation de l'enfant. L'enfant vient de tel père, c'est déjà ça la première chose. La deuxième chose, c'est que de part l'autorité que nous allons peut-être y revenir, que Dieu lui a conférée, qu'on le veuille ou non, et cette autorité-là existe, de par son autorité, il arrive à implémenter ce que la mère apporte dans le cadre de l'éducation. Parce que lui, il est là pour pouvoir mettre les limites, assurer les limites, garder l'enfant dans les limites. Il est là pour pouvoir mettre l'enfant assuré et assurer à l'enfant l'ouverture vers le monde. C'est surtout avec les papas que les enfants arrivent à jouer, faire des jeux. Et donc, c'est lui qui permet la plus la socialisation de l'enfant parce que l'enfant, il a, avec sa mère, il est plutôt dans une relation de mère à enfant, une relation de fusion, une relation fusionnelle avec la mère. Donc, tant que la mère naturellement
est toujours dans un rôle de vouloir protéger, de vouloir le garder entre ses jupes, de vouloir le garder. Donc le père, c'est le père qui vient libérer l'enfant de cette relation fusionnelle qui embrigade l'enfant. Et si on n'y prend pas garde, si dans les couples, les ménages, les enfants, c'est un peu, les pères, les mères ne réalisent pas en fait ce qu'ils font comme travail, mais et ils le font. Mais ce qui se passe quand on l'explique, c'est ça. La mère, elle est toujours là pour pouvoir passer. C'est la fusion pour pouvoir protéger, garder près, garder là, garder là. C'est le père qui vient libérer l'enfant pour lui dire, pour lui montrer que va vers le monde, va vers le monde, la société est là, il faut s'ouvrir à la société, travailler pour la société. Et c'est exactement ce qu'on constate sur le terrain. Charles, dites-nous ce que la Bible dit par rapport à ça, le rôle du père face à l'enfant et à la mère. Effectivement, comme maman l'a dit, La Bible, renchérit. Parce qu'effectivement, l'enfant, quand il naît et qu'il est dans le cercle familial, la maman a ce rôle de protecteur, de protection, pour assurer tous les soins, petits soins des enfants, tout ça. Mais le papa, c'est lui qui lui ouvre le chemin et il lui demande d'aller affronter la vie parce que la vie n'est pas aussi facile que cela. La maman, c'est leur rôle. Par essence, par chose, c'est que bon, c'est la protection, c'est ce qui est facile. Et puis, généralement, les enfants se réfugient au niveau de l'emploi de la maman. C'est papa qui vient, qui dit non, attention, la vie n'est pas ce que vous pensez. Allez, et il lui donne même des tâches qui parfois dépassent même son âge. C'est juste une façon de la guérir pour affronter la vie. Puisque la Bible nous dit que les enfants, que les pères doivent éduquer leurs enfants. Tant d'abord sur le chemin de Dieu, puisque vous vous demandez ce que la Bible nous dit, d'abord, c'est la Bible a dit d'abord de les éduquer sur la voie de Dieu, pendant qu'ils sont encore jeunes, et quand ils vont grandir sans détruire, sans pas, ça c'est le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 6. La Bible a dit, parce qu'un enfant, comme on sait, c'est un homme qu'on engage. Et dès lors que l'enfant est éduqué sur la voie de Dieu, il réussit facilement dans la vie active. Au-delà de cela, la Bible nous dit que les parents aussi doivent avoir des limites. Le père doit avoir des limites parce que l'enfant ne doit pas être irrité en désordre. Pas parce qu'on doit le canaliser, on doit l'orienter, que nous devons le faire de façon à l'amener, c'est-à-dire à dépasser même ses droits, puisqu'il a aussi des droits qu'il faut respecter. Donc, la Bible est allée dans ce sens-là aussi, pour dire, nous ne devons pas irriter nos enfants. Ça, c'est Éphésiens, déjà, chapitre 6, verset 4. En dehors de cela, la Bible est encore allée plus loin pour dire, les enfants, quand les mamans les gardent dans leur jus, il ne faut pas cautionner cela. Mais s'il faut taper un enfant, il faut le taper. S'il faut le chicoter, il faut le chicoter. Parce que la chicote ne tue jamais un enfant, mais ça va l'amener à se départir de certains comportements irrépréhensibles auxquels peut-être... Qui peuvent le conduire à des vices, mais que maman couvre souvent. Ça, c'est Proverbes chapitre 23, le verset 13 déjà. Donc, du coup, la Bible a dit assez de choses pour l'éducation. Voilà, pour que on canalise un enfant, la Bible ne nous fait pas de cadeaux dans ce sens-là. Contrairement à ce que prônent aujourd'hui nos institutions ou à l'école. Aujourd'hui, on demande de ne plus taper les enfants et autres. Justement, j'allais en venir. Maman, papa l'a dit, et ce n'est que ce que la Bible a dit. Les enfants, il faut les apprêter à affronter le monde. Il faut les amener à comprendre que la vie n'est pas aussi facile. Il ne faut pas dépasser les bornes en le leur montrant. Il faut les chicoter parfois quand il le faut. La société est contre cela. Et beaucoup de parents aujourd'hui craignent d'être poursuivis. Et après avoir peut-être corrigé un enfant pour une faute commise par la verge que la Bible a instituée, justement. Et donc, la société est contre ça et poursuit. Les parents, certains sinon la majorité, craignent cette poursuite et n'observent plus confortablement
convenablement, je dirais, leur devoir. Vous, maman, dites-nous ce que vous en pensez. Oui, je répondis déjà sur ce que Chargé a dit. Et en précisant ce que la Bible a dit, je vais le lire. Proverbe 23, 13, là. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Oui, oui. Et le 23, 14 dit, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Du séjour des morts. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Et la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Et pour honte le coup, à sa mère, oui, pas à ses parents. Non, à sa mère. C'est ça le proverbe 29, 15. Donc, pour que une mère, donc si une mère veut bien une mère chrétienne. Chrétienne, ok. Il y a cette précision. D'abord chrétienne. Okay. Je dis même pas céleste. Chrétienne, croyante chrétienne, ne veut pas avoir honte, elle doit pouvoir prendre la verge et oui, au moment il faut, quand il faut. C'est vrai que les lois sont là et c'est Dieu même qui a dit oui, il faut respecter l'autorité, les lois du pays. C'est vrai. Mais si les lois des autorités du pays cognent la loi que Dieu institue. Et donc il faut savoir, c'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Discernement. Okay. Et ne pas en abuser. Et cultiver l'esprit de discernement en tout. Donc, c'est que corriger l'enfant, il faut savoir le faire. Il y a les corrections, les corrections, c'est pas toujours des sanctions punitives. Il y a des sanctions positives. Il y a mille et une façons de sanctionner un enfant, de corriger un enfant. Mais la Bible a précisé dans ce cas, par la verge. Oui, par la verge. Même par la verge, on peut le faire de façon modérée, okay. Sans aller à la violence. Parce que, qu'est-ce que les lois veulent éviter? C'est la violence. C'est la violence. La violence, c'est l'exagération dans les coups apportés. Et c'est le fait aussi de ne pas tenir compte peut-être de ce qu'il faut utiliser comme verge par rapport à un enfant d'un âge donné. Donc, comme on dit, je le dis, les sanctions doivent être au prorata de l'acte commis et puis au prorata de l'âge de l'enfant, de sa corpulence. Il faut. Donc, en temps normal, si on doit se tenir à ce que la loi est en train d'interdire, en l'interdisant, c'est ne pas en abuser, de rester raisonnable dans cette correction. Oui, c'est bien ça. Oui. Dites-nous, la Bible l'a dit, et maman l'a précisé, une mère chrétienne, si elle doit pouvoir bénéficier de son enfant, elle doit accepter que la verge rentre en jeu, mais de façon modérée. Certaines mères s'y opposent. Et quand les pères doivent porter des corrections aux enfants, elles s'en interposent catégoriquement. Je dirais même que c'est peut-être par eux que la loi a su que ça se passe pour porter cette interdiction. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez contre ces mères-là qui viennent s'interposer carrément à une correction qu'un père juge utile à apporter à son enfant? Oui. Dans le verset que maman a lu tout à l'heure, vous avez vu, j'en dis, une mère qui s'interpose cherche la honte. Parce que l'enfant qu'on ne corrige pas, l'enfant qu'on ne canalise pas, qu'on ne duque pas, il va faire votre honte dehors. La honte de la mère. Okay. Il va gâter le nom de la famille et c'est votre honte. Il n'y a pas une manière de déshonorer ses parents que d'avoir de mauvaises approbations. Quand vous commettez des actes de mauvaises approbations, les gens vont dire c'est l'enfant de qui? C'est un déshonneur pour la famille. Effectivement, il y a les mamans qui s'interposent catégoriquement et qui ne veulent pas qu'on touche à leurs enfants. Peut-être pas à cause de la douleur de... Mais il faut penser aussi à l'avenir de l'enfant. À l'avenir de cet enfant. Il faut penser à l'avenir de l'enfant. Qu'est-ce qu'il adviendrait de cet enfant qu'on n'a pas éduqué? Cet enfant qu'on n'a pas corrigé, qu'on n'a pas su, à qui on n'a pas su imprimer vraiment une ligne de conduite. Il va devenir la racaille dans la ville demain. Donc c'est cela d'abord qui doit être la priorité. Ce que nous voulons pour nos enfants,
C'est nous-mêmes qui devons travailler pour forger cette image-là. Et c'est de la maison que cela se passe. Les femmes qui s'interposent, vous voyez, on a plusieurs catégories de femmes. Ça fait partie des difficultés des foyers. Il y en a. C'est réel, tel que vous le dites. Mais je crois qu'il faut un travail de sensibilisation, oui, au niveau donc de ces mamans-là. Et arriver aussi à leur parler de ce que la Bible a dit. Et c'est pour cela qu'une éducation religieuse doit primer sur toutes les autres formes d'éducation. Quand vous avez des enfants qui sont éduqués sur la voie de Dieu, vous n'avez plus assez d'efforts à faire. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous n'avez plus assez d'efforts à faire. Et il en va de même pour la maman aussi. Parce que dès lors que la maman aussi n'a pas d'éducation, elle ne sait pas de quoi il est question. Pourquoi on veut éduquer l'enfant? Pourquoi? Qu'est-ce que la Bible en dit? Elle peut s'interposer. Mais quand vous lui montrez dans la Bible, okay, mais c'est ce que la Bible a dit. Et le bien fondé aussi des actes, l'essentiel c'est de ne pas le faire de façon exagérée. Il faut modérer les choses. Maman l'a déjà dit. Il faut des corrections proportionnelles à l'âge, aux fautes commises, à la corpulence, au gabarit de l'enfant. Il faut en tenir compte, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Tenir compte du sexe aussi. Tenir aussi compte du sexe aussi, c'est important. Si vous, vous avez un apport? Oui, oui. Les femmes qui s'en interposent. Oui, je veux faire. Rejoindre le chargé. Je le rejoins et je veux faire donner des. Un complément. Quelques, oui, complément. Ouais, c'est pour dire que celles qui s'interposent, c'est peut-être elles ont grandi dans un certain environnement, elles sont aussi dans un environnement. Il y a beaucoup de contingences qui rentrent sûrement en jeu. Donc, comme l'a dit le chargé, il faudrait certainement la sensibilisation, l'éducation de tout le monde, pas seulement des femmes, des mères, des pères également. C'est vrai, il faut en parler, dire oui, la Bible l'a dit, c'est inscrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible. Et jusqu'à ce que, c'est aller plus loin dans la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ aussi. Lui-même, il a eu à prendre la verge pour pouvoir chasser les commerçants qui s'étaient installés dans le temple. Bon, c'est pour dire que, oui, Dieu, pas Salomon a dit, oui, il faut écrire qu'il faut corriger en utilisant la verge. Et le Seigneur Jésus-Christ aussi a corrigé les gens en utilisant la verge. Il a dit, vous n'allez pas faire du temple de mon père un lieu de commerce. Et donc, c'est parce qu'il y a manque d'informations, manque de pression qu'elles s'interposent. Et c'est peut-être parce que, moi je dis, dans cette situation-là, il y a peut-être trois cas de situation. La première situation, peut-être que le père, c'est un violent, et tout le monde sait, et la mère sait, et c'est qu'il n'arrive pas à se maîtriser quand il doit corriger. Et peut-être qu'elle-même, elle subit déjà des coups, et c'est pour ça qu'elle se dit, ah, attention, voilà ce que je subis déjà avec lui, et s'il se met sur mon enfant, et sur mon enfant, ça devient mon dans ce oui, cas. Ça devient mon, ça devient mon à ce moment-là. Si tu te mets sur mon enfant, un mot, elles sont protectrices, mais ça devient mon. Mais si c'est pour aller vers le père pour réclamer le pic au nom de l'enfant, ça devient ton. Oui. Non, c'était pour vous taquiner. Donc, il risque de causer des dégâts. Donc, si c'est déjà un fait violent, voilà le premier cas de figure. Donc là, à tout moment, elle va pouvoir s'interposer. Donc, il faut aller dans ces ménages, là où ça se passe comme ça, aller au fond de la question, savoir pourquoi est-ce qu'elle s'interpose. Est-ce que ce n'est pas l'assisme ou c'est parce qu'elle craint le pire? Deuxième cas de figure, si c'est juste circonstanciel, il se pourrait que la faute commise n'est pas tellement. C'est peut-être une faute que le père a jugé tellement grave que ça l'a tellement énervé que quand il s'est mis à corriger l'enfant, la mère a vu que il est en train d'aller à l'essai et là elle s'interpose. Mais dans ces circonstances-là, la mère, elle doit savoir comment s'interposer
pour que le père puisse comprendre que, ah, attention, il va à l'extérieur, et que l'enfant ne puisse pas me percevoir que, ah, ma maman est en train de me sauver de la main de des mains de mon papa. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas, aussi fâchée que ça de ce que j'ai fait. Donc, c'est surtout ça. Okay. Il faut qu'elle puisse savoir réagir, savoir comment réagir entre les deux. Ne pas laisser une observation autre dans la tête de l'enfant. Exactement. Le troisième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est qu'elle est laciste. Le laxisme, elle est habituée à ça. Donc, pour elle, il faut laisser couler, laisser passer. Là, c'est dangereux pour elle. C'est dangereux pour elle parce que non seulement le verset que j'ai lu maintenant a précisé que c'est pour elle le danger, mais aussi il se fait que aussi dans notre société africaine et béninoise surtout, quand l'enfant, s'il se comporte mal au dehors, c'est la mère, hein, on dit, ah, voilà, l'éducation, quelle éducation elle a donnée à l'enfant. Mais quand l'enfant, s'il se comporte bien, là, on dit, merci, c'est tonton, c'est le nom de famille qu'on cherche. Il y a le renversement qui se traduit. Voilà, mais quand ça ne va pas, on dit, voilà, des noms pour les gonnés. Donc, on dit, voilà comment la mère l'a éduquée. Non, mais donc, ce qui fait que les gens font ces genres d'interprétation, c'est parce que les mamans protègent, tout simplement. C'est tout ça. Les mamans protègent, c'est pour ça même la Bible même dit, l'enfant la fera le désolé des armes. C'est la mère qui protège. À chaque instant, et si le papa devait corriger l'enfant, ça doit venir aussi en partie de la maman. Parce que le papa n'est pas à la maison. Oui. Et la maman doit pouvoir dire, ah, quand bien même elle a apporté sa correction déjà, il faut qu'elle informe le papa pour que le papa sache là où les dérives que son enfant observe en son absence. Mais elle protège, elle ne le font pas. Elle ne le font pas. Non, pas oui. Et puis là, c'est grave. Parce quand c'est grave, c'est que ça revient à vous. Oui, pas forcément. Et c'est une image en fait qui est là, est tangible, et puis qui perdure. Et c'est des idées préconçues qu'on doit déconstruire. C'est des idées construites. Ok, amis téléspectateurs, nous sommes en train de boucler notre première partie, la première partie de notre émission. Cette partie qui est portée beaucoup plus sur le père. Qu'il faut en savoir de façon générale. On ne peut pas tout dire en ce temps imparti. Et donc, le peu qui a été dit, nous vous invitons à vous l'approprier afin que les déviances qui s'observent, surtout dans l'éducation des enfants venant des pères, que cela ne soit pas en abus. Et aussi, ces observations qui se font venant des mères à protéger les enfants d'une sorte à participer à des vices qu'ils développent plus tard ne sont plus à être observer. Nous allons vous revenir dans la deuxième partie de notre émission, mais avant, nous vous invitons à cette pause publicitaire. Bébé Love. Femme enceinte ou nourrice, faites vivre à vos bébés une enfance confortablement inoubliable avec Bébé Love. De la grossesse, en passant par l'accouchement jusqu'à l'âge de 14 ans, votre boutique Bébé Love met à votre disposition un magasin moderne de lait, un prêt-à-porter de qualité pour vos bouchous de 0 à 14 ans. Bref, tout ce dont ils auront besoin pour être eux-mêmes témoins de votre amour, et ceci à des prix nobles et imbattables. Oui, c'est de votre boutique Bébé Love. Votre boutique Bébé Love est située à Kpakpa, non loin de la pharmacie Abattoir, à quelques mètres du carrefour des Gacons, sur le tronçon de la banque Jubilé. Faites vite alors un tour ou contactez-nous au 96 113 95 19 ou au 97 69 91 24. À Bébé Love, c'est la qualité pour vos enfants. Retour plateau, amis téléspectateurs. Nous sommes de retour à vous, toujours dans notre émission dont le thème s'intitule « Être père, est-ce une autorité ou une responsabilité ?» Un thème qui s'entretient avec nos invités que vous connaissez. Nous allons directement dans la suite de notre entretien. Chargé, nous sommes à vous. Est-ce qu'un père peut-il déshériter son enfant pour quelque raison que ce soit ?
C'est un père en temps normal. En temps normal. Donc il y aura le temps anormal. Oui, il y aura le temps parce qu'il y aura des cas de figure. Il y aura des cas de figure. En temps normal, c'est que un père lègue son héritage à son enfant. Ça, c'est ce qui est recommandé normal. Et ce qui est normal. Okay. Mais il peut arriver que le père choisisse de ne pas léguer son héritage à son enfant parce qu'il a, il n'a pas été honoré. Parce que cet enfant... Mais cet enfant porte son nom. Hein. Porte son nom, mais il n'a pas été ce qu'il veut, mais un enfant braqueur. Un enfant qui se retrouve à salir l'image du père que je suis et qui commet des actes de mauvaise approbation au tel point qu'il se retrouve dans les mailles de la justice. Cet enfant, on va réfléchir par deux fois avant de lui léguer parce que déjà, ses comportements ne garantissent pas que l'héritage qui va lui être légué sera bien géré. Sera bien géré, ok. Il s'en sert à rien, puisque quand vous savez que votre arrière ne sera pas assuré par quelqu'un, okay. Il s'en sert à rien de lui confier tout ce que vous avez, ce que vous avez construit. Construit toute une vie dure. Il vaut mieux identifier donc parmi ces enfants-là celui qui peut pérenniser vos acquis et voir la forme par laquelle quelque chose peut lui revenir. Du coup, ce n'est pas tous les enfants qui peuvent être directement, contrairement à ce que la loi dit. Donc, pas tous les enfants qui peuvent directement hériter des biens du père, si l'enfant n'est pas vraiment ce qu'on veut qu'il soit. Moi, je crois qu'on peut, le priver de cet héritage, surtout de la gestion, parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'héritage, on doit pouvoir... avoir une assurance de la continuité de la gestion. Exactement, ce n'est pas forcément j'ai une parcelle, je laisse à mon enfant, ou j'ai construit une maison, je laisse à mon enfant. C'est la gestion. Léguer, peut-être que je suis un chef d'entreprise, je dois partir forcément. L'entreprise doit être révisée, la même des employés qui ont traversé les âges, des entreprises de 100 ans qui existent. Mais il faut des enfants quand même qui ont la tête sur. Et les épaules pour pouvoir gérer. Mais un enfant déjà voyou que vous connaissez, on ne peut pas confier un tel héritage à cet enfant. Mais on peut faire en sorte que une ristourne lui revienne. Il revient. Sans trop le mêler à la gestion. À la gestion. Maman, on parle d'héritage du père à son enfant. On se demande, est-ce qu'il peut arriver qu'un père puisse déshériter son enfant? Bon. Fut-il fautif, enfin, pour quelque raison que ce soit. J'ai dit que ça peut arriver. Le cas normal, il a dit. Le cas anormal, il a dit. Votre avis? C'est difficile. Nous déjà, nous commettons des fautes. Nous sommes là, Dieu nous pardonne. Donc, il serait bien. Évidemment, c'est la mère qui parle par rapport à ça. Pardon, j'allais en venir, j'allais vous dire de ne pas oublier que finalement c'est votre honte. Oui. Donc, oui, et il faudrait savoir pardonner. Mais c'est vrai que, comme le chargé l'a dit, il peut arriver des cas extrêmes où on est obligé de prendre des mesures conservatoires. Si l'enfant là constitue dans le futur un danger probable pour les autres héritiers, donc il vaudrait mieux de savoir comment le priver de cet héritage-là, quitte à ce que peut-être que ce serait une action corrective par rapport si... Vous êtes sûr que le faisant, après votre départ, les autres auront la paix avec lui? Le faisant ici? Oui. C'est une grande question aussi parce que nous vivons la réalité là. Oui, c'est qu'il y a la réalité là, oui, au quotidien. Bon, et généralement... Papa trouvait une formule, je ne sais pas si vous approuvez. Il dit il faut voir une façon de lui trouver un ristourne. Je ne sais pas, si c'est sa part d'héritage alors... Oui, c'est de ça que je voulais parler en disant il faut savoir comment le mettre un peu à l'écart. À l'écart, on prend des mesures conservatoires pour que, bon, il puisse quand même jouir de ça
sans vraiment avoir un accès total, la main dessus pour créer d'autres dégâts. Parce que si le cas maintenant, il n'arrive, comment dire, on le laisse avoir accès à, je ne sais pas, quel que soit l'héritage, et qu'en un rien de temps, il dilapide tout. Ça ne va pas dans son intérêt également. Donc, si on peut faire autrement, bon, on le fait. Si on doit se tenir à ce qui s'est passé avec les enfants d'Adam, juste parce que Dieu a reçu, lui, il a ses raisons de recevoir Abel et de ne pas recevoir Caïn. Mais ce qui s'en est suivi, nous savons. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le père qui déshérite ou qui favorise un enfant au détriment de l'autre, c'est pourquoi il a fait. Mais cet enfant déshérité, si je me permets de le dire ainsi, est-ce qu'il peut avoir en conscience la pertinence de ce choix et comprendre venir ou bien déjà manifester une jalousie et finalement commencer par tuer ses frères pour un héritage? Puisque c'est des trucs qui s'observent sur le terrain. Moi, je crois qu'à ce niveau-là, c'est pendant que nous sommes encore vivants qu'on doit régler ce genre de situation. Et pour mieux la régler, c'est de faire en sorte de ne pas avoir forcément des choses à laisser. Si une parcelle à laisser, ou bien un véhicule à laisser, une maison à laisser. Non, il vaut mieux déjà canaliser tout. C'est mieux d'investir sur l'éducation des enfants. Aujourd'hui, pour qu'eux-mêmes, ils deviennent quelque chose qui est. C'est mieux de leur apprendre à pêcher que de leur donner du poisson à manger. Parce que dans tous les cas de figure, les enfants, après votre départ, ne s'entendent pas. Si vous laissez des choses, soit même vous faites votre testament avant de partir, c'est même la source de tension parce qu'il va dire on a privilégié celle, moi j'ai pas. Mais si vous avez construit quelque chose, un avenir à travers une société que vous-même avez créée et que vous avez conduit jusqu'à un moment donné de votre vie, vous identifiez, vous voyez parmi vos enfants celui qui peut assurer la relève et faire la continuité. C'est lui que vous prenez déjà à travers le testament que vous écrivez et déjà, la façon dont les choses vont se définir, vous mettez ça déjà dans le testament. Et c'est lui qui est comme l'administrateur déjà délégué de votre vivant. Okay. Et qui, c'est possible que l'administrateur soit choisi déjà du vivant de Oui, bien sûr. Okay. Il se charge maintenant de faire selon les répartitions que vous-même vous aurez déjà définies avant de partir. Ce n'est pas après vous, ça. Sinon, ça peut créer des problèmes. Vous pouvez choisir de faire une répartition égale. Mais ce qui procure de l'argent va être géré par celui qui est plus conscient. Okay. Sinon, si vous mettez ça à la main d'une racaille, c'est deux jours et puis c'est terminé. Ça va s'évader. Maman, dites-moi, vous avez forcément un complément. Ce que moi je voudrais dire, c'est depuis que je complète, j'acquiesce déjà ce que j'avais à dire. Et ce que moi je voudrais dire, c'est que depuis la base, au niveau de l'éducation, il faut intégrer la prière. Comme je le dis, la prière à temps et à contre-temps. La prière pour servir tout, pour nourrir, entretenir tout. Donc, par la prière et par l'éducation aussi religieuse, à enseigner aux enfants. Nous sommes chrétiens célestes, il faut que nous apprenions à nos enfants à vivre la vie d'un chrétien céleste au quotidien. Le chrétien céleste, ce n'est pas le chrétien du dimanche qui, quand il va au cours, il ne se rappelle plus qu'il est chrétien céleste et qu'il peut se mettre en mauvaise compagnie. Non, le chrétien céleste, quand il est au cours, il prie, il se concentre, il sait qu'il est chrétien céleste, il suit les cours en tant que chrétien céleste. Il vit, il va en récréation en tant que chrétien céleste. Donc, quand il mange au chrétien céleste. Ça le forme plus et voilà. Si nous faisons l'effort d'inculquer cette éducation religieuse dans la vie sociale de nos enfants, je pense que ça va porter à ce que, après notre départ,
il n'y a pas de clash. C'est vrai. C'est vrai. Il faut le reconnaître que le tentateur, il est là, toujours à côté, à piéger, à chercher par où piéger. Et qu'il arrive parfois à avoir la même mise sur un enfant qui est faible spirituellement et qui va l'utiliser, il peut l'utiliser à des fins de division parmi les autres enfants. Mais avec la prière, on peut y arriver. Amis téléspectateurs, nous évoluons toujours dans notre émission Être paix, est-ce une autorité ou une responsabilité? Les interventions, les apports, les différents qui nourrissent cet entretien viennent et continuent de venir. Et sur ce point, déjà, le chargé nous conseille déjà de notre vivant de savoir quel aménagement fait pour que notre après puisse être assuré et sans embâche. Maman nous invite à une prière permanente, une prière à une éducation, une vie quotidienne, une vie chrétienne céleste quotidienne. Alors, ne le faisant pas, ça, déjà du vivant de certains pères, ça les emballe dans des mécontentements ou des malédictions parfois sont prononcées. Maman, dites-nous, vous assistez à une malédiction qu'un père porte sur son enfant. L'impact que ces malédictions peuvent porter sur l'enfant. Là, je voudrais que vous me permettiez de ne même pas penser à l'impact. Non, dans cette colère, les pères parfois y arrivent, même inconsciemment. L'impact, parce que l'impact va amener certainement ses pères à ne pas, même dans cette colère, se jeter dans ça. C'est pourquoi justement la question vous a été adressée. Oui, merci. Là, maintenant, je me dis que. Amis téléspectateurs, maman a peur de ce mot-là venant de père à son enfant. Oui, parce que je me dis que toute personne sensée sait qu'il doit avoir un impact négatif. Donc, moi, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que en arriver à proférer de malédiction, c'est que le père là, il manque de discernement par rapport à deux aspects capitaux de son rôle et deux aspects capitaux de sa valeur, des potentialités qu'il a, des qualités qu'il a que Dieu lui confère. La première Dieu chose. Dieu même qui confère dans sa colère à prononcer des malédictions. Oui. La première chose, c'est que il n'a même pas, l'enfant qui fait des bêtises, il n'a même pas besoin de le maudire. Si vous assistez à des enfants vraiment là, vous serez dépassé. Vous allez même, certains pères vont jusqu'à se demander si c'est vraiment. Seule la maman peut répondre, on n'en a pas parlé. Donc, je le dis, donc moi, je voudrais sensibiliser pour qu'on comprenne, pour que les pères, nos maris, les pères de nos quand enfants, vous dites, nos papas. Quand vous dites nos pères, nos maris, c'est que vous voulez amadouer. Vous voulez caresser. Comprenne. La première chose, c'est que il n'y a pas besoin de maudire. Pourquoi? Parce que déjà l'enfant qui désobéit, mais il est déjà directement sanctionné par Dieu parce qu'il perd la bénédiction qui accompagne le seul commandement parmi les 10 commandements, le 5e commandement de Dieu, le 5e commandement dit « Honore ton père et ta mère ». Tes jours se prolongeront dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu vas travailler, etc. Tu auras la possibilité, c'est ça? Sans même parler, c'est que l'enfant même est déjà livré. Oui, il est déjà livré à perdre la gracieuse bénédiction que Dieu lui a offre grassement. C'est déjà ça. Deuxième point. Que le père là ne comprend pas, c'est que l'enfant est le père de l'homme. Ça c'est vrai. Oui. Comment l'a dit, c'est un auteur britannique, il l'a dit, oui. Et souvent, mon regretté père, il le citait de son vivant. Oui, l'enfant est le père de l'homme. L'enfant
que tu en arrives, tu veux, tu es sur le point de me dire comment cela a été construit, puisque c'est toi qui participes de sa construction en tant qu'homme, en tant qu'homme, en tant qu'être social utile pour la famille, pour la société, pour la communauté religieuse, pour le pays. Comment est-ce que tu l'as construit? Quelle part de responsabilité tu as là où il en est arrivé d'abord? Ensuite, si tu profères, quel que soit ce qu'on fait, homme ou femme, on sort des paroles, des actions quand même, tout revient. L'action appelle toujours la réaction. Hein. Donc, quand on sort les choses, les énergies circulent, les fluides circulent, c'est aller-retour, ça revient. Donc, moi, je voudrais que tous les parents, les pères, s'abstiennent de maudire leur enfant. De maudire. Parce que c'est, je vais faire, oui, je vais profiter pour faire honneur à ma mère. Elle nous a éduqués sans nous injurier. Je n'ai jamais entendu ma mère. Ah bon? Oui, injurier pour dire comment j'entends mes autres mamans, mes autres soeurs. On injurier les mots grossiers, ça sort à profusion dans toutes les langues. Non. Ok. Votre ce maman, qui fait que, oui, ce qui fait que moi-même, j'ai fait l'effort de vous abstenir de ça. Oui, de m'abstenir de ça. Donc, quel que soit l'énervement, vous vous rappelez de ça? Je me rappelle de ça. Et parce que de toute façon, on a bien envie de le faire. Je me suis inventé des mots comme un jour. Et quand les enfants grandissaient, après, ils me demandaient, mais quand ça signifie quoi? Donc, je me disais, regarde, ce zigoto-là. Ce zigoto-là, bon. Donc, et c'est ça, pour ne pas dire imbécile. Pour ne pas dire ça. Parce que chaque jour apporte à son fou que ça porte sur l'enfant. Ça a une portée négative sur l'enfant. Et non seulement notre maman, mais le papa aussi dit, quand tu profères, quelle que soit la parole que tu profères, tu dis, ça a une empreinte. Ça a une empreinte. Donc, ce que tu avec les spectateurs, maman, je pense qu'elle a eu assez de temps pour aller en profondeur parce que le mot lui tenait tellement à cœur. Elle suppliait, même elle a badoué, elle a tous les mots qu'elle peut sortir pour porter ce chapeau à nous inviter, nous, père, à ne pas aller sur ce terrain de malédiction. Elle les a sortis et finalement, elle nous rappelle que l'enfant est le père de l'homme. Chargé, dites-nous, c'est certainement que vous avez un complément. Mais je préfère que votre complément se porte beaucoup plus sur ce verset du proverbe qui dit « Destruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et quand il va grandir, s'en détournera. » Parce que quand l'enfant inscrit vraiment sur cette voie, il n'y aura pas désobéi, déshonoré jusqu'à ce que cette parole de malédiction se soit proférée. Alors, aujourd'hui, dans la vie que nous avons en face, les pères courent dans tous les sens. L'attention qu'il faut porter aux enfants à l'endroit de cette instruction n'existe pratiquement plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons toutes les couleurs d'enfants. Vous, en tant que père, vous êtes chargé spirituel, autant occupé que nous imaginons. Vous êtes opérateur économique, autant occupé que nous imaginons. Dites-nous, est-ce que vos occupations doivent vous envoyer à vous écarter de ce chemin d'instruction? En principe, non. Ça, ça devait être une priorité. Une priorité. Une priorité d'autant plus que toute personne aspire à voir ses enfants prospérer dans la vie. Tout père aspire à voir son enfant prospérer dans la vie et un enfant bien placé dans la haute sphère, la hiérarchie sociale. Okay. Et tout parent milite pour ça, travaille pour ça. Donc, du coup, ce temps-là, tous les temps peuvent manquer, mais ce temps ne doit pas manquer. Ne serait-ce que des heures. N'oubliez pas que c'est surtout ça, cette vision des pères pour les enfants qui amène les pères à courir dans tous les sens. Oui, bien sûr. C'est toujours dans la logique que les pères n'arrivent pas à dormir. Quand on parle des mamans, des femmes vertueuses, je dis, on devrait avoir même dans la Bible un verset aussi qui parle des pères vertueux. Pourquoi? Parce que tout père n'est pas père. Hein? Si vous n'assumez pas votre responsabilité, vous êtes père juste parce que vous avez géré,
comme la paix engendrer quelqu'un, mais la responsabilité, la responsabilité, c'est cela qui fait que les hommes n'arrivent pas à rester pour assumer certaines tâches. Et c'est pour cela aussi que le gros lot des tâches revient souvent aux mamans qui plus ou moins sont disponibles que les hommes. Alors, pour revenir au complément par rapport à maman, oui. Je vais parler de malédiction en épreuve profilée. C'est rien, hein. Il n'y a rien qui vaut la malédiction contre un enfant. Il n'y a rien. En tant que maman, il n'y a pas ce qu'un enfant doit faire à son père pour qu'il le maudisse. Il n'y a pas. Parce que quand on parle de déshériter, ça peut rentrer parallèlement dans ça. Hein? Oui, oui. Mais parce que tu as conféré un grand pouvoir au père. Et ce pouvoir, quand vous sortez des choses de votre bouche, c'est avec effet immédiat. Et c'est pour cela qu'il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir. La Bible nous dit que l'homme, les pères, ils sont le chef de la femme et de la famille. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et que tu es le chef donc, de l'Église. Vous voyez déjà le niveau, la hiérarchisation. Quand on parle de la maman, c'est la famille. Il faut voir la famille parce qu'il n'y a pas une famille sans mère ni enfant. Il ne peut pas y avoir. Donc, du coup, Dieu a mis l'homme. Chaque chose à sa place. Voilà. À un niveau très élevé, de manière à ce que tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit immédiatement. Surtout quand c'est sur ses propres enfants. Parce que Hébreux chapitre 2, verset 13 et verset 14 nous parle de la manière dont l'enfant est conçu par rapport à son père. L'enfant est la chair de son père et le sang de son père. Du coup, ce lien de sang renforce, c'est une alliance qui est très forte, ce qui renforce dans tous les sens. Si c'est les malédictions que vous procurez, ça s'accomplit. Si c'est les bénédictions également, ça s'accomplit. Donc, à quoi cela sert d'avoir un enfant et de le briser, quel que soit le comportement qu'il a. Parce qu'il faut déjà aussi, une maladie, se trouver une part de responsabilité dans ce qui arrive dans la vie de l'enfant. Peut-être que vous n'avez pas été disponible pour assurer l'éducation religieuse qu'il faut en son temps. Peut-être même que vous avez été là, mais que vous n'avez pas prié parce qu'elle a dit qu'il faut accompagner tout de la prière. Vous n'avez pas prié pour vos enfants. Le diable s'est saisi d'eux et il s'est infiltré et l'a conduit dans le décor. Et vous l'avez constaté quand c'était devenu tard. Mais vous devez vous reprocher quelque chose à ce niveau-là. Mais quand vous allez à le maudit, ça vous revient. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, là, si votre enfant est un fou et qu'il se promène dans la ville, c'est votre enfant. Mais c'est votre enfant, c'est votre nom. C'est votre nom. Tous ceux qui vont voir, c'est l'enfant de tel. Ça ne vous aura rien. Yeah. C'est pour cela qu'il faut s'abstenir et chercher des solutions pour cet enfant-là. Et la solution, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Amis téléspectateurs, nous sommes à thème de notre émission. Et sur ce point de porter des malédictions sur son enfant, je pense à l'unanimité, c'est non. Ce n'est pas possible. Il faut juste chercher des solutions autres. Il faut beaucoup prier. Nos deux invités nous auraient convient à ces pratiques qui sont beaucoup plus arrangeantes que de porter des malédictions. Parce que je reviens sur la phrase de maman, même si elle a emprunté, l'enfant est le père de l'homme. Sur ces mots, nous allons boucler notre émission, mais avant, nous allons nous inviter à leur mot de fin. Maman, vous avez certainement le mot de fin pour clôturer l'émission. Vous regardez tout droit dans votre caméra et il faut porter vos mots de fin à nous. Merci. Le mot de fin, évidemment, c'est encore une fois de rendre grâce à Dieu qui nous permet d'être ici et de dire merci aux téléspectateurs qui suivent l'émission. Et puis, nous sommes, l'autre fois, pour la fête des mères, nous avions rappelé que notre église, l'église du christianisme céleste, a pris en compte cet événement social et économique, puisque nous sommes de toute façon dans le monde. Il faut savoir agir sur certains affaires, certains phénomènes de la société pour pouvoir
et réorienter les fidèles de sorte à ce qu'ils n'aillent pas dans les dérives. Donc, c'est louable que l'Église prenne ça en compte pour que... Et c'est thèmes, aussi pour la fête des pères. Voilà, pour que les thèmes soient adaptés aux situations, aux différentes situations sociales ou bien économiques. Donc, pour la fête des mères, nous avions dit le thème de la semaine. Pour la fête des pères, il se fait que ce mois, le mois de juin, nous avons eu deux thèmes qui ont trait à la famille. Donc il y a le thème de la semaine passée, la semaine du 3 au 9 juin 2024. Le thème dit le respect des parents et parents. Le respect des parents, grâce et bénédiction en découle. Et le thème de cette semaine-ci, la semaine donc du 9 au 16, dit « Prendre soin des géniteurs est préférable de s'attendre à l'héritage. » À l'héritage. Donc, c'est tout heureux si l'Église tient compte de ces célébrations pour instruire les uns et les autres. Et sur ce, je vais dire bonne fête et au Père. Merci maman. Maman, elle est la seule ici. Hein. Nous sommes deux pères ici, mais elle nous souhaite tout bonne fête. Merci beaucoup maman chargée. Vous êtes le Père, notre Père, c'est-à-dire dans tous les sens. Alors, et nous, et vos téléspectateurs, nous sommes tous vos fidèles, en même temps vos enfants. Dites-nous vos mots de fin à l'endroit de cette fête et à l'endroit de cette émission. Merci beaucoup. Merci à Maman Célère, à Tu, pour l'invitation et pour le débat aussi enrichissant. Alors, pour finir, moi, je voudrais faire remarquer que les mamans, elles ont beau porter la grossesse, mais elles font assez dans la vie d'un enfant. Elles façonnent un enfant. Mais les pères aussi ne sont pères que s'ils jouent leurs responsabilités de façon convenable. Je voulais inviter les pères que nous sommes à beaucoup plus de responsabilités, à beaucoup plus d'éducation sur le plan d'abord religieux, social, matériel, financier. Si nous voulons gagner nos enfants, il faut que nous prouvons que nous avons une grande responsabilité. Il faut qu'on sache qu'on a une grande responsabilité à jouer. Et aux côtés donc des mamans, parce qu'ils n'iront d'elle de faire pas le printemps, et c'est à eux. Et il faut unir les voix pour éduquer les enfants afin que nous puissions vraiment attendre d'eux de bons résultats. Amis téléspectateurs, voilà les mots de fin de notre chargé, voilà les mots de fin de notre maman. Les deux invités autour de ce plateau, le thème qui s'est intitulé Être père, est-ce une autorité ou une responsabilité? Dans la première partie, nous avons montré que le père a une autorité. Effectivement, le père a une autorité. C'est une autorité, mais dans cette autorité, il faut faire preuve de responsabilité. Ça a été détaillé dans la deuxième partie. Et les mots de fin en ont dit suffisamment. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et avant de gagner cet homme, le chargé l'a dit, il faut investir dans son éducation. En tout cas, dans tous les contours de cet enfant pour le gagner. Maman l'a dit et elle a été ferme là-dessus. Les malédictions ne doivent même pas se faire entendre de quelque père que ce soit. Sur ces mots, nous vous disons merci pour toute l'attention que vous avez portée à cet entretien aussi enrichissant que vous l'aurez remarqué certainement. Et le temps imparti ne nous a pas permis d'aller plus en profondeur. Mais prochainement, nous ferons l'effort de poursuivre cette continuité. Que Dieu nous garde. Et comme maman l'a dit, bonne fête à tous les pères. Bye et ciao. C'est l'actu, une émission de perfectionnement de conseillers d'orientation. C'est l'actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est l'actu.